Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'initiatives qui sont prises au niveau européen et national qui vont nous mettre en joie. Et je vous propose de commencer, si vous le voulez bien, par Ulla Engelmann. Donc, Ulla Engelmann est la responsable, la chef d'unité cluster et la chef d'unité technologie avancée. Ah voilà, alors on met pour moi les slides. Merci beaucoup parce que vous m'enlevez un poids énorme, je craignais. Alors, Ulla Engelmann, nous sortons de la conférence européenne des clusters. Quelles sont les attentes de l'Europe à l'égard des clusters? Je crois que le commissaire européen chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace vous a très vivement encouragé, n'est-ce pas? Tout à fait. C'était très encourageant parce qu'il voit une forte rôle pour les clusters dans la relance. Alors, je vous présente peut-être dans le prochain slide déjà quelles sont les bases que l'Europe prévoit pour la relance. On a des discussions, on a mis en place différentes lignes parce que l'idée, le budget qui doit soutenir la relance, ça doit être pour l'investissement dans une Europe plus verte, plus digitale et plus résiliente. Et dans tout ça, il y a des différents piliers. Il y a le pilier qui est ici sur le slide en orange, qui est le support aux États membres pour la relance. Et dans ce strength de ce qu'on appelle Next Generation EU, on a le Recovery and Resilience Facility que vous voyez aussi dans le slide prochain, parce que ça, cette Recovery and Resilience Facility prévoit 672 milliards d'euros et c'est pour des plans de relance des États membres. Et ces plans doivent avoir comme principe la soutenabilité compétitive, mais en prenant en considération l'environnement, la stabilité, mais aussi la fairness et la productivité. Et pour faire ça, dans le prochain slide, vous voyez quels sont les 7 flagships pour les investissements et réformes dans cette Recovery and Resilience Facility. Et par rapport aussi à ce que Madame la ministre a dit, vous voyez que la France est déjà bien positionnée par rapport à ces 7 flagship areas. Parce que, un, c'est Power Up, ça c'est pour les technologies vertes et clean et les renouvelables. Et donc, tout ça, par exemple, toute la technologie de l'hydrogène s'inscrit dans cette flagship. Renovate, la Commission a annoncé toute une, ce qu'on appelle Renovation Wave en octobre pour vraiment, c'est d'un côté évidemment la efficacité énergétique des bâtiments, mais on veut encore aller plus loin. Il faut aussi voir quelles sont les innovations qui peuvent aider dans ce marché, dans cette construction des bâtiments, quelles sont des nouvelles technologies, mais aussi ce qu'on lance, par exemple, Affordable Housing Initiative, aussi le facteur de la livabilité dans ces bâtiments. C'est un paquet assez complet. Recharge and Refuel, c'est le transport soutenable, mais aussi tout ce qui est avec le e-charging, ça s'inscrit dans cette troisième flagship. Le Connect, le rollout of broadband services, ça veut dire l'investissement dans l'infrastructure. Dans Modernize, c'est la digitalisation de l'administration publique. Donc, scale-up, et ça aussi c'était mentionné, c'est les cloud capacity, mais aussi les sustainable processors. Et le septième, qui est également très important, c'est le re-upskill. Parce qu'on aura dans le marché du travail des énormes demandes
mais pas seulement pour le digital, aussi pour la technologie verte, de pouvoir travailler sur la workforce en faisant des RIA upskill. Et là aussi, les clusters peuvent jouer un rôle très important. Dans le prochain slide, on verra que pour la relance, la Commission européenne s'est mise à voir les différents écosystèmes industriels. Et on a 14 écosystèmes industriels. Et dans chaque de ces écosystèmes industriels, on fait une analyse de santé pour chaque écosystème pour voir comment les écosystèmes étaient atteints par la crise, quels sont les moyens, et on met ça avec un type de matrix, quelles sont les mesures qu'on peut mettre. Et je voulais dire que dans cette matrice des mesures, il n'y a pas seulement des mesures de financement et de régulateur et basis, mais aussi les clusters. Cluster Cooperation, c'est une des mesures pour les 14 écosystèmes. Parce que si vous regardez, vous vous trouvez probablement dans un de ces 14 écosystèmes que maintenant je ne vais pas nommer, mais vous êtes au courant de ces 14 écosystèmes. Dans le prochain slide, je vous donne une toute petite summary de la conférence des clusters européens qu'on a eue début novembre. C'est ce qui, pour les clusters, ils existent déjà. Ils sont up and running dans les différents États membres et ils travaillent dans l'écosystème, mais aussi pour faire le pont dans les différents écosystèmes. Ils amènent ensemble des différents acteurs, mais tous travaillent pour le même but. Ils peuvent ensemble faire le bénéfice du marché commun. Ils adressent ensemble la transition digitale et verte, et en même temps, ça aide à augmenter la résilience. Et la résilience est basée sur la capacité des networks. Et des clusters, ce sont des networks. Ils peuvent connecter toute la chaîne de valeur et les écosystèmes, y inclut les régions, et pour ça, se projeter pour le futur. Et comme c'était déjà dit, l'importance d'avoir une coopération cross-sectorielle peut être augmentée avec les clusters. Les clusters, dans le prochain slide, sont aussi des drivers pour la transition verte. Et on a plein de bons exemples pour cette cluster dans le domaine vert. On a 250 clusters cluster vertes qui sont enregistrés sur notre European Cluster Collaboration Platform. Et ceux-là, ils peuvent être des catalystes pour tous les États membres à aider le rollout de la Green Transformation. Également, les clusters dans le prochain slide sont des drivers pour le digital transition. Et non, un en arrière, s'il vous plaît. Dans le digital transition, on a aussi vers 400 clusters. Encore un, s'il vous plaît. Voilà. Les clusters digitales, on a vers 400 clusters digitales et ceux-là aussi peuvent aider les entreprises dans la transformation digitale et ils travaillent évidemment très étroite avec les Digital Innovation Hubs et c'est important de créer les liens entre les deux. Dans le prochain slide, vous voyez aussi l'importance des clusters pour l'internationalisation des PME. Et on a un grand projet qui commence l'année prochaine dans le low carbon et le circular business, que on amène des entreprises européennes dans les Amériques, dans différents pays, pour amener la technologie verte de l'Europe pour aider l'uptake de European Green Tech dans ces pays. On utilise aussi nos Cluster Go International Action dans le programme COSME, dont certains de vous ont déjà en profité, pour créer des missions ensemble, des Strategic Cluster Partnership pour aller à l'international.
Vous avez mentionné, on a commencé avec ça, notre commissaire dans le prochain slide, commissaire Breton, qui, pendant la Cluster Conference, a souligné le rôle des clusters dans une position idéale pour aider avec la digitalisation, le greening et pour la relance d'Europe que les clusters sont essentiels. Et dans le dernier slide que je vous fais voir, c'est des différents calls qui sont ouverts pour le moment. Alors, j'attire votre attention qu'on a trois différents types de calls ouverts au cluster. Un, j'avais mentionné avant déjà le cluster call international. Non, ça, c'est plus ouvert. C'était le 2 décembre. Alors, j'espère que certains de vous ont pu mettre leur candidature, mais on a encore ouvert deux. Et un, c'est un peu nouveau, c'est pour avoir des alliances stratégiques pour le Uptake of Advanced Technologies des PME, et c'est jusque le 2 février. Et le troisième, c'est pour avoir la possibilité d'un échange entre les différents clusters, mais aussi connecter ça avec des écosystèmes et des villes. Alors, je vous invite de regarder ces calls, ça peut être intéressant pour vous. Et avec ça, merci beaucoup. Bravo, Ulla Engelmann. Vous avez bouclé effectivement toute cette affaire complexe dans un temps record. Et effectivement, nous ne manquerons pas de répondre à votre invitation et de profiter des initiatives que vous avez évoquées. Nous allons passer maintenant à Gabriel Giabicani, qui est donc le directeur, c'est de circonstance, de l'innovation et des opérations à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Donc, la Banque des Territoires, c'est effectivement le bras armé financier de toutes ces opérations. Et je dois dire que lorsque nous sommes vus la dernière fois, vous avez évoqué une chose qui nous a frappé. Vous avez dit, mais finalement, pour qu'une entreprise se déploie, se développe, croisse, etc., il faut qu'elle trouve la bonne adéquation avec son écosystème. Et il est vrai que c'est votre rôle, si j'ai bien compris, à vous, Banque des Territoires, d'enrichir l'écosystème pour permettre aux 200 entreprises PME industrielles que France Cluster accompagne de devenir des ETI. N'est-ce pas votre priorité, l'écosystème, la relocalisation, etc.? Oui, absolument. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci, Paul, pour cette introduction. Alors, effectivement, la Banque des Territoires est un des bras armés des politiques publiques de soutien à la relance et en particulier à la réindustrialisation du pays. On se définit comme la banque de l'intérêt général au sein de la Caisse des dépôts au service des projets des territoires. Nos premiers partenaires sont les collectivités et leurs acteurs territoriaux, et en particulier les entreprises fortement implantées dans le territoire français. Alors effectivement, nous nous concentrons sur le développement de l'écosystème, et dans le cadre des moyens très conséquents déployés par l'État en faveur de l'industrie dans le cadre de France Relance. La ministre a rappelé quelques chiffres, 20 milliards d'euros de baisse d'impôts de production, 20 milliards d'euros dans le cadre du PIA4 en soutien à l'innovation et aux filières clés, 4 milliards pour le soutien aux entreprises en renforcement des fonds propres, notamment à travers BPI France, en soutien aux projets de relocalisation également. Et dans ce cadre-là, nos partenaires, les collectivités territoriales et tout particulièrement les régions, sont très fortement mobilisés. La région de France a notamment proposé un New Deal industriel et environnemental. En soutien à ces mesures de l'État, la Banque des Territoires consacre plus de 1 milliard d'euros en financement de projets pour accompagner la relance industrielle. C'est une de nos 7 priorités de soutien à la relance dans le cadre d'un plan global de 26 milliards d'euros de la Caisse des dépôts. Et il faut avoir en tête que sur ce milliard d'euros, il y a 800 milliards d'euros d'investissement en fonds propres. La Banque des Territoires investit dans les projets ainsi que 250 millions d'euros de prêts d'aménagement à travers les ressources fonds d'épargne bien connues, les ressources de l'épargne réglementée des Français, en particulier le livret A.
La Banque des Territoires est un opérateur majeur du programme Territoires d'Industrie que la ministre a évoqué. Et aujourd'hui, nos capacités sont déployées pour accompagner les projets industriels dans tous les territoires, en particulier auprès des territoires d'industrie et des clusters animés par France Cluster. Alors concrètement, on a parlé d'écosystème. La Banque des Territoires, nous sommes l'opérateur clé de l'attractivité des territoires pour l'aménagement industriel. Et notre action se concentre vraiment sur l'aménagement, l'infrastructure et en résumé tout ce qui est autour de l'entité de production. Et quand je dis autour, je dis vraiment tout autour. On va accompagner les projets d'aménagement foncier à travers les outils à la fois public comme l'économie mixte et privée, mais aussi l'immobilier industriel. Et nous laisserons le soin à notre maison sœur BPI France de financer le développement de l'exploitation des entreprises elles-mêmes, le déploiement des machines. Mais voilà, l'immobilier, le foncier et puis toutes les infrastructures et les équipements qui sont indispensables à une usine parce qu'une usine, ça ne vit pas tout seul dans la nature, sans un écosystème, sans une logistique, sans des infrastructures énergétiques pour alimenter l'usine, sans des infrastructures de transport pour faire venir et repartir les produits et les salariés. Et puis évidemment, nous accompagnons également un volet très, très fortement sur la formation qui reste une des priorités essentielles, la montée en compétences et l'adéquation entre les ressources et les besoins sans cesse renouvelés des entreprises en France. Alors concrètement, notre action se déploie sur quatre priorités d'intervention. La première, j'ai commencé à l'évoquer, c'est l'investissement dans l'aménagement et l'immobilier industriel. Vous donner quelques exemples du type d'action que l'on peut déployer. Financement public, nous avons renforcé le capital d'une société d'économie mixte en Côte d'Or pour répondre aux besoins de la société Vallourec Umbilicals, filiale du groupe Vallourec. Financement privé, nous avons financé en fonds propres un nouveau bâtiment pour l'entreprise Insect à Amiens. Insect, dont on avait entendu parler il y a encore quelques temps, entreprise très innovante qui déploie de la nourriture à base d'insectes pour les animaux. Et puis, dernier exemple, là j'ai évoqué la création d'entités industrielles. Nous sommes également en mesure d'accompagner des projets d'évolution, d'agrandissement, de reconversion de sites industriels. Nous accompagnons actuellement le compactage et la modernisation à travers cela d'une usine PSA à Montbéliard. Dans ce cadre-là, et puisque nous sommes là pour faire des annonces à l'égard des clusters du pays, nous proposons d'intervenir en complément du dispositif site clé en main prôné et déployé par l'État. L'État s'apprête à compléter la liste de 78 sites dits clés en main déjà identifiés. Ce sont des sites, je pense que vous le savez, où l'État s'engage à mettre tous les moyens pour que tous les leviers réglementaires puissent être actionnés le plus rapidement possible. Purger les sujets archéologiques, s'engager sur des délais courts pour donner toutes les autorisations administratives, pour que sur ces sites, des projets industriels puissent aller très vite. Notre proposition, l'offre Banque des Territoires, elle est là pour compléter ce dispositif de sites clés en main à travers des sites aménagés clés en main. Et nous ferons des annonces plus détaillées lors d'une Assemblée générale des territoires d'industrie dans quelques jours, le décembre prochain. Cette offre, elle vise à équiper les sites industriels de services d'aménagement et d'immobilier disponibles, clés en main et mobilisables le plus rapidement possible par les projets industriels, ainsi que de services nouveaux pour les entreprises. L'objectif pour nous, c'est de permettre à une entreprise industrielle de se concentrer sur ce qui est son cœur de métier, à savoir innover, produire et vendre à ses clients. Et nous proposons de nous occuper à la carte de un peu tout ce qui est autour de l'usine, comme je l'ai dit.
Et dans ce cadre-là, nous avons l'ambition d'accompagner en moyenne 2 sites clés en main par région en France pour concevoir, aménager et également, le cas échéant, gérer les sites industriels de demain. L'ambition est vraiment de construire. Clé en main, vous dites. Site aménagé clé en main, absolument. Oui. Alors, si vous permettez, je vous interromps un peu, mais nous avons le 27 novembre dernier réuni la haute finance au niveau privé et public pour mettre en place donc les outils financiers nécessaires. Nous avons envoyé ce matin même à votre collaborateur François Bouvac un certain nombre de propositions, et notamment les propositions à l'égard de la Banque du Climat. Donc, nous serions heureux d'échanger sur ces propositions de façon à pouvoir avancer avec Ambroise Fayolle, qui nous a fait l'amitié de participer à cette séquence. Absolument. Et c'est important de souligner cette dimension d'accompagnement des clusters, et merci d'insister sur la dimension Banque du Climat, qui fait d'ailleurs une très bonne transition avec notre seconde priorité, qui est l'accompagnement de la transition énergétique et environnementale de l'industrie. Je l'ai dit, ces sites clés en main visent à être la vitrine de l'industrie dans les territoires, et évidemment, l'industrie de demain dans les territoires, elle doit être aussi verte que possible, et elle doit être vertueuse en termes de consommation énergétique, en termes de bilan vis-à-vis de l'environnement et de la biodiversité, en termes de réduction de l'artificialisation des sols, et en termes en particulier des transports autour de l'usine. À nouveau, quelques exemples. On aime bien, à la Banque des Territoires, citer les projets sur lesquels on a travaillé ou sur lesquels on travaille aujourd'hui. Nous accompagnons la construction d'un équipement industriel qui va permettre de relier une centrale biomasse dans la Somme à la société industrielle Innovafeed. Nous accompagnons également fortement la société Proviridis, qui produit et distribue de l'hydrogène et du GNV. Donc vous voyez, on accompagne l'industrie, les mobilités, et notamment la dimension industrielle des mobilités sur la production, mais aussi la distribution des mobilités vertes. Nous considérons vraiment que ce travail sur les infrastructures est indissociable de l'implantation des entreprises industrielles et leur développement en France. Merci mille fois, Gabriel. Effectivement, on est un peu contraint par le temps. Donc, si vous voilà, permettez, Paul, je voudrais citer un dernier volet, et d'ailleurs que nous déployons avec France Cluster, qui est l'accompagnement des stratégies territoriales et qui, concrètement, chez nous, se déploie à travers nos moyens d'ingénierie. La Banque des Territoires est une institution de financement, j'ai parlé d'investissement et de prêt. Nous avons également des moyens d'ingénierie, de conseil au projet assez significatifs, et en particulier avec France Cluster, nous nous apprêtons à déployer le dispositif Cluster PME Territoire Invest, initié par France Cluster et fortement soutenu par la Banque des Territoires. Qu'est-ce que c'est ce dispositif? Il a deux volets. Un volet qu'on va appeler d'études, de recherche, expérimentation, et puis un volet vraiment d'expérimentation proprement parler sur des projets. Le volet études, il est consacré à répondre à la question suivante. Pourquoi est-il si difficile en France de construire des ETI solides et de mobiliser des financements pour permettre de passer d'une R&D innovante très prometteuse à la construction d'ETI déployées à l'échelle industrielle? Donc là, il y aura un volet très d'enquête, on va dire. Et puis, parce que ces sujets-là se travaillent sur le terrain, nous déployons également un volet d'accompagnement, d'expérimentation pour une douzaine de projets industriels. Je conclurai en citant un exemple que nous aimons beaucoup, qui est le projet Akoya de Lisa Airplanes à Tarbes, projet d'ailleurs que nous avions, dont l'accompagnement avait été initié avec France Cluster, où l'objectif est d'accompagner cette société très innovante qui construit des petits avions électriques, afin d'accompagner son implantation pour s'assurer qu'il se déploie dans le bon écosystème avec les bons partenaires
au bon endroit aussi. J'ai beaucoup parlé d'aménagement et c'est important. Vous le savez, les clusters sont aussi des rassemblements géographiques d'entreprises autour d'une thématique. Voilà, merci, merci pour ces éléments et je suis disponible pour toute question. Écoutez, vous avez bien fait effectivement de poursuivre votre propos. On boit vos paroles. Effectivement, ces 200 PME que nous accompagnons pour qu'elles deviennent des ETI, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Alors, ceci étant dit, le nerf de la guerre, bien sûr, c'est l'argent, hein, les fonds propres des entreprises, etc. Mais pas que. Et Pascal Voulton, qui est président donc, de Sofimac, va nous parler effectivement de sa manière d'aborder les territoires avec des investissements de proximité, c'est bien ça, Pascal Voulton? C'est exact. Donc moi, je suis président de Sofimac, hein, donc on est un investisseur régional. Nous sommes partenaires des trophées Filex cette année sur un certain nombre de sociétés. Et donc, ça a été tout à fait intéressant pour nous de voir tout le vivier, enfin tout le vivier, une partie du vivier, une petite partie du vivier soutenu par les clusters. Nous sommes un investisseur de proximité, ça veut dire que nous avons une attention toute particulière sur les régions et les territoires. Nous finançons à la fois des PME traditionnelles avec, je dirais, du chiffre d'affaires et des modèles relativement connus, même si beaucoup de ces PME aujourd'hui cherchent à se diversifier ou en tout cas à trouver des modes de relance qui soient adaptés à la nouvelle donne. Nous finançons beaucoup l'innovation, hein, puisque nous avons monté notamment cette année en plein premier confinement d'ailleurs, un fonds qui s'appelle Pertinence Invest et qui rassemble les écoles d'ingénieurs et des universités de toute la France pour financer des startups innovantes issues de leur vivier d'ingénieurs et de leurs incubateurs propres. Hein. Et donc, évidemment, les grands sujets, ce sont les sujets que l'on a abordés ce matin, la mobilité, la décarbonisation, si je puis dire, de l'industrie. Nous avons investi, par exemple, dans une entreprise qui fabrique des bétons décarbonés, en tout cas à faible taux de carbone, donc ça évidemment c'est tout à fait crucial, ou des robots rechargeurs de voitures électriques pour les métropoles. Donc ça c'est une activité que nous avons depuis plusieurs années, mais que nous développons de façon majeure. Et puis en tant qu'investisseur de proximité, nous pensons que les territoires sont importants, c'est-à-dire que naturellement, dans un pays comme la France aujourd'hui, si vous laissez les choses se faire, vous avez une concentration de technologies et de sociétés dans les métropoles et vous délaissez les territoires, si je puis dire, enfin délaisser, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, les territoires sont moins attractifs que les métropoles. Donc il faut absolument revenir sur les territoires et une des manières de revenir sur les territoires, c'est tout en promouvant des technologies ou des nouvelles initiatives, c'est surtout de regarder quel est l'impact des sociétés dans lesquelles nous pouvons investir sur les territoires. Ça peut être l'économie circulaire, dans l'agro, évidemment, le fait de travailler avec des réseaux d'agriculteurs qui sont fournisseurs de matières premières. Et donc, nous regardons attentivement tous ces dossiers. Nous sommes en train de constituer un fonds qui s'appelle Impact Territoire et qui va précisément cibler ces secteurs dans lesquels nous pensons qu'il y a directement un apport au territoire. Donc, c'est un fonds qui devrait intervenir notamment sur la formation, très important. J'ai noté plusieurs fois qu'on parlait de formation. Nous, par exemple, nous avons une société dans la région centre qui s'appelle COUD et qui fait de la formation au numérique, mais décentralisée dans les territoires. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, auquel nous croyons beaucoup. Nous regardons d'autres dossiers. Le digital, c'est le numérique, certes, mais aussi le média numérique. Donc on regarde des dossiers tout à fait intéressants qui sont à la fois porteurs d'emploi et porteurs de formation à une population qui aujourd'hui a besoin
de changer son, je dirais, son profil professionnel de façon majeure. Nous Mais regardons. président Voulton, alors tout Oui. ça, c'est bien beau, mais il faut quand même qu'il y ait du rendement, c'est-à-dire que ce soit rentable, que Non, il vous faut que ce soit puissiez rentrer rentable. dans. Hein. Vous avez raison, vous avez raison. Il faut que ce soit rentable. Donc, évidemment, le grand enjeu, je pense, dans tout ce qu'on m'a dit ce matin et ce qu'on va peut-être continuer à dire, c'est de trouver des modèles qui soient à la fois rentables et à impact. C'est-à-dire que, il faut effectivement qu'on travaille sur ces deux axes et que, on ne finance pas uniquement je dirais, des sociétés qui n'atteignent jamais un niveau de rentabilité. Je pense qu'aujourd'hui, on a passé ce cap-là, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de projets qui ont une vraie rentabilité intrinsèque et qui vont, tout en développant des modes nouveaux d'intervention et des modes nouveaux je dirais, de valorisation de leur activité d'un point de vue non financier, hein, impact, économie circulaire, économie d'énergie, production d'énergie. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons réellement aujourd'hui émerger de façon majeure. Donc nous cherchons effectivement dans notre activité d'investisseur à investir dans ces sociétés. Je voulais aussi peut-être compléter mon intervention en disant que il y a tout un volet public dans cette affaire, c'est-à-dire que la Banque des Territoires, la BEI, la BPI, d'autres intervenants publics sont évidemment très impliqués là-dedans, mais il y a un grand appétit d'acteurs privés autour de ces sujets, de gros acteurs privés, que ce soit des industriels ou que ce soit des financiers ou des banquiers ou des mutuelles qui aujourd'hui s'intéressent toutes à l'investissement responsable, si on peut, ce qui est un mot peut-être un terme peut-être un peu ancien, mais en tout cas à regarder au-delà je dirais, de la rentabilité, d'autres critères de sélection et de promotion de ces entreprises. Quand je dis au-delà de la rentabilité, j'insiste, et vous avez raison, Paul, j'insiste bien sur le fait qu'un modèle n'est durable que s'il est rentable. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas subsister simplement à coup d'injections régulières de cash à un moment, il faut émerger. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de transformer nos entreprises en ETI, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles arrivent à une taille critique. Et nous sommes là également pour les accompagner là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut dire, comme le disait Gabriel Giabicani, que le couple gagnant, c'est écosystème entreprise? On peut dire ça? Oui, je pense que les couples gagnants, c'est écosystème entreprise parce que on ne peut plus aujourd'hui avoir des entreprises qui soient. Je vais prendre un exemple, mais on ne peut plus travailler en sous-traitant toute la production en Chine et en gardant soi-disant qu'une petite activité en France. Ça n'est pas durable. Je dirais que ça a un peu donné les clés de la maison à la Chine aussi sur ce sujet-là. Alors, je ne vais pas faire de prosélytisme anti-chinois parce que ce n'est pas le cas, mais je pense que nous avons une réflexion sur la réindustrialisation à faire et elle passe par les territoires et par l'accompagnement des écosystèmes. Sinon, on aura des déserts industriels, ce qui est malheureusement très souvent. On le constate quand même. Et donc, il faut vraiment complètement changer la donne. Et aussi bien le secteur privé que le secteur public, évidemment, sont aujourd'hui à mobiliser et, je pense, assez fortement mobilisés autour de ces idées-là. Oui. On se rend bien compte qu'il y a un nouveau deal entre public et privé. On aura l'occasion d'en reparler, comme on l'a vu déjà lors de co notre comité de pilotage là, du 27 novembre. Mais sans plus attendre, alors, Philippe Le Gorgeu, on ne présente pas Philippe Le Gorgeu, on le connaît, on connaît son esprit d'entreprise. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire à Pascal Voulton aujourd'hui, président Le Gorgeu? Oh, j'ai beaucoup de choses à lui dire. J'ai retenu de ses propos. D'abord, bonjour à tous les participants et merci Paul de me passer la parole. La première chose, oui, Pascal, c'est qu'on vous rejoint complètement sur l'idée
d'entreprises qui soient aussi des marqueurs territoriaux. Et je vais essayer de vous le montrer à travers la courte histoire d'Algolesco. Mais également, je vous rejoins totalement sur l'objectif de rentabilité économique, même si c'est Paul qui nous a un petit peu entraînés sur ce sujet. Je suis l'un des trois fondateurs de la société Algolesco. C'est une société qui est basée dans le Far West breton, face à l'archipel des Glénans, donc dans un endroit qui est plutôt magique en termes de paysage et de lumière, et où il est agréable, mais parfois difficile de travailler. Alors, comment est né ce projet ? Ce projet, il est né de constats très simples. Le premier constat, qui est un constat d'analyse du marché mondial autour des algues, l'algue étant un domaine extrêmement travaillé aujourd'hui sur plusieurs continents, et singulièrement le continent asiatique. Et nous constations que la Bretagne était un réceptacle naturel pour développer un marché autour de l'algue. Sauf que l'essentiel de la production algale en Bretagne se fait à travers des techniques ancestrales et très pertinentes d'ailleurs, de cueillette, de ramassage sur l'estran d'une part et de ramassage à partir d'embarcations d'autre part. Tout cela n'aboutissant pas à servir les transformateurs alimentaires, puisque c'est essentiellement d'ordre alimentaire qu'il s'agit là, qui sont obligés d'importer des volumes supérieurs à 50% de ce qui est transformé en algues en Bretagne. Donc importation asiatique, importation d'Amérique du Sud aussi, et voire d'autres espaces. Donc fort de cela, de ce constat, doublé du fait que la Bretagne, les eaux océaniques, sont biologiquement parfaites, c'est ce que nous disent nos visiteurs chinois ou asiatiques, nous nous sommes dit pourquoi ne pas développer de la production d'algues à travers des cultures marines organisées. Et derrière ce constat, le pari qu'il y avait derrière, c'était de constituer un foncier maritime suffisamment établi pour pouvoir poser un modèle économique sérieux. Et pour que ce modèle économique soit sérieux, il doit être capable de servir les marchés, on en reparlera un petit peu plus tard, à travers des volumes et de la qualité constante. Et ça, ça a été notre premier objectif. Et cet objectif s'est doublé d'un pari. Beaucoup nous disaient, la société a été créée en 2013, on nous disait à cette époque-là, vous n'arriverez pas à obtenir des concessions d'une taille suffisante pour asseoir votre modèle. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, et contrairement à ce qu'on peut imaginer, nous avons été extrêmement bien épaulés par les différentes strates administratives, et nous avons pu obtenir en 2013 et en 2014 les deux plus grandes concessions de culture marine dédiées à la culture de l'algue en Europe. L'une à l'Esconil, tout près de l'Octudie, l'autre à Moëlan-sur-Mer. Alors, Président, je vais vous interrompre, parce que... Est-ce que vous pourriez imaginer qu'Algolesco devienne une ETI à échéance de 2 ou 3 ans, 4 ans ? À l'échéance de 3 à 5 ans, tout à fait, tout à fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on est parti, nous, sur une posture initiale d'agriculteur de la mer, c'est-à-dire être capable de délivrer de la production en volume et qualité suffisante. Et je vais y arriver, hein, à la réponse à cette question. Les débuts ont été plus que difficiles. Hein. On avait deux problématiques essentielles à résoudre. L'une qui était d'ordre scientifique et technique, être capable de maîtriser tout le processus amont de constitution de semences. Autrement dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais être capable d'assurer notre propre ensemencement à travers la production de plantules, ce que nous sommes parvenus à faire au bout de 3 à 4 ans de manière solide. Et le deuxième pari, c'était un pari d'ordre météorologique, c'était d'être capable d'implanter des structures marines en pleine mer. Nous cultivons nos algues entre 2 et 4 000 nautiques en mer, et dans une région ballottée par les coups de vent, la houle et d'autres éléments. Et ça a demandé, c'est sans doute là d'ailleurs, paradoxalement, que nous avons été le plus innovant. On a travaillé en parfaite symbiose avec les équipementiers autour de types de cordage, de types de filières, de types
d'implantation sous-marine pour poser nos filières. Et ça a été tout le travail des trois premières années d'exploitation qui nous a amené aujourd'hui à délivrer une production qui n'est plus confidentielle. Alors, je coupe encore un peu la parole, excusez-moi, mais parlons clair. Pour devenir une ETI, il vous faudrait lever combien d'argent ? Parce que quand même, on est là pour parler aussi un petit peu de monnaie, non ? Alors, pour constituer une ETI, il nous faudrait investir ce qu'on a déjà investi. C'est-à-dire que pour le moment, on a équipé la moitié des concessions maritimes dont nous disposons réglementairement, mais il en reste une grosse moitié qui n'est toujours pas équipée. Donc, il nous manque entre 2 et 3 millions d'euros aujourd'hui pour parfaire, si vous voulez, le modèle dans toute son acceptation. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les marchés aujourd'hui, à travers les produits qu'on sort, on sort des produits à la fois frais sortis d'eau, on sort des produits salés, on sort des produits surgelés, et on a aujourd'hui également lancé une production à la japonaise pour à destination des restaurateurs. Donc aujourd'hui, l'entreprise fait du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires cumulé sur l'année 2020-2021 approchera le million d'euros. Donc, on n'est plus dans une production confidentielle. Le pari et les enjeux pour nous aujourd'hui, ils sont d'ordre financier, encore une fois, pour compléter les équipements de production et l'équipement de la production de la concession de Moëlan sur mer. Et l'autre pari, il est de mettre en place une vraie structure commerciale pour attaquer les gros marchés. Et c'est ces gros marchés vers les grands comptes qui nous donneront la dimension d'ETI. Aujourd'hui, nous recevons toutes les directions de recherche et développement, les directions des achats, des grands groupes de distribution, et tous nous disent, quand vous serez capable de produire tant de dizaines ou tant de centaines de tonnes et de nous assurer des volumes constants sur les 5 ou 10 années à venir, alors là, nous deviendrons vos clients. Alors Philippe, pardonnez-moi, mais on me rappelle à l'ordre à plusieurs reprises, parce que Ludovic Rousset et Nicolas Portier voudraient pouvoir s'exprimer un tout petit peu. Alors, tout ce que vous dites, c'est très passionnant, mais on pourra, si vous le voulez bien, poursuivre cette discussion hors séance. Mais tout à fait, et je passe le relais à nos deux camarades. Super, merci à vous. Alors, Ludovic Rousset, vous êtes directeur du développement de France Urbaine, et vous êtes en train, et merci, on est ravis de nous associer à une étude passionnante précisément sur les écosystèmes territoriaux d'innovation. Donc on rejoint la préoccupation de Gabriel Giabicani, c'est-à-dire véritablement comment pointer les écosystèmes territoriaux d'innovation sur lesquels pourront naître et se développer ces fameuses ETI qui nous manquent tant. Complètement, c'est exactement la remarque que je me faisais en écoutant Gabriel, c'est qu'on était vraiment au cœur du sujet. Donc c'est une initiative là que je vais vous présenter qui est propulsée par Rétis et France Urbaine. J'excuse Rétis qui avait un événement aujourd'hui. En quelques mots, qui sommes-nous Rétis? Il s'agit du réseau professionnel des professionnels français de l'innovation, grosso modo les technopoles pour aller très vite, qui sont impliqués sur l'accompagnement des entreprises innovantes et l'animation des territoires. Ça regroupe à peu près 100 structures d'accompagnement. Je pense que toutes les personnes ici les connaissent bien et travaillent avec eux. Et France Urbaine, on est sur l'association qui regroupe l'ensemble des grandes villes et métropoles. Je précise au passage que les métropoles font partie des territoires. Là, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui opposait les métropoles aux territoires, ça m'a beaucoup amusé. Et on regroupe, donc on représente à peu près la moitié de la population française qui habite donc dans notre territoire urbain. Pourquoi on a lancé cette initiative? C'est un constat partagé. D'une part, des défis structurels, je ne reviens pas dessus, vous connaissez tous, sur les mutations de l'appareil productif aujourd'hui, qu'il s'agit d'accompagner, et puis les défis conjoncturels de la période avec la crise Covid, la crise économique qui arrive, et la nécessité donc de la relance. Et surtout, un constat, c'est que dans les différents documents qu'on peut voir sur les différentes politiques mises en œuvre par l'État, on voit très bien les axes prioritaires qui sont définis, la stratégie filière, les guichets uniques, les comités d'orientation au niveau régional,
Mais sur tout ce qui est infra-régional, on est sur un angle mort, une sorte de boîte noire, de pensée magique. Je lance un appel d'offres innovant et les projets innovants se présentent d'eux-mêmes. Et finalement, on pense peu, ou en tout cas, on connaît insuffisamment la manière dont un projet innovant va se constituer, dont une entreprise va pouvoir s'engager sur une innovation technologique avancée, dont un projet de recherche collaborative va se constituer. Pour ça, il y a des gens qui travaillent, la plupart des gens d'ailleurs qui sont aujourd'hui, comment dire, connectés, qui travaillent pour faire en sorte que le monde universitaire, le monde de l'économie, les territoires vont pouvoir se rencontrer, créer ensemble des démarches et des initiatives, et que, comment dire, donc cette innovation dans les territoires, elle repose en fait sur des modes d'organisation très concrets. Et donc l'idée que nous avons voulu, c'est donc de décrire la manière dont dans chaque territoire, parce que c'est souvent assez différent selon l'histoire et la géographie, dont vont s'organiser et coopérer les acteurs de l'économie, de l'enseignement supérieur et de l'innovation, à l'échelle d'un bassin universitaire, d'un bassin d'emploi, afin de produire du développement économique par l'innovation. L'idée est de produire un observatoire, un document qui permette de générer de la connaissance sur ce sujet, à la fois pour éclairer les acteurs parisiens, ministériels, porter à leur connaissance ces écosystèmes dans leur variété et leur performance, donc les aider du coup dans l'aide à la décision, et puis apporter notre contribution aux politiques publiques d'innovation, de cette manière, en faisant en sorte que on tienne les deux bouts de la ficelle, à la fois la stratégie européenne, la stratégie nationale qui sont nécessaires, l'organisation au niveau régional, mais aussi ce qui se passe au niveau infra-régional, en mettant à valeur tout le travail de ces acteurs et entreprises dont les clusters font partie. Donc c'est une initiative qui est propulsée, comme j'ai dit, par France Urbaine et par Rétis, mais auxquelles sont associés France Cluster. Et vraiment, je tiens à dire que quand j'ai appelé Xavier Roy, il a topé tout de suite, il a dit, mais voilà, ça nous intéresse vraiment, donc on en est. On a également associé nos amis de la FPC, de l'Association des pôles de compétitivité, et puis le réseau Curie. Donc on est vraiment sur une initiative qui rassemble tous les acteurs du niveau infra-régional, avec très concrètement l'idée, donc c'est une étude qui va se constituer en deux parties. Une partie observatoire où on va faire remonter des chiffres clés par territoire, mettre en valeur également des fiches actions et autour d'une quinzaine de monographies, une par grande région, des retours d'expérience et des témoignages pour aussi qualifier comment ça se passe sur les territoires, avec des contributions d'acteurs. Et une deuxième partie, plus portant sur l'analyse plus structurelle, où on va essayer, dans ces 15 monographies qu'on va faire, également de qualifier la manière dont s'organisent ces écosystèmes territoriaux d'innovation, sur la nature des fonctions présentes par territoire et par acteur, l'importance relative des différentes fonctions, et la qualité et l'intensité des relations entre les fonctions d'innovation, avec l'idée donc de démontrer comment cette logique d'écosystème territorial d'innovation peut s'incarner, peut se construire différemment dans tel ou tel territoire, sur la manière dont s'organisent les différentes fonctions, est-ce qu'il y a des fonctions qui sont particulièrement développées dans un territoire ou à l'inverse sous-développées, est-ce qu'on peut qualifier la nature des relations entre les fonctions à l'intérieur du territoire mais aussi à l'extérieur, avec pour objectif c'est de montrer comment telle forme particulière d'écosystème va parvenir à produire tel niveau de performance avec une conviction, c'est que selon les territoires il va y avoir des manières différentes d'arriver à un niveau de performance en termes de propulsion de l'innovation, et qu'il n'y a pas de déterminisme, on a des territoires qui sont très bien dotés, et des territoires qui sont peut-être un peu moins dotés, mais qui arrivent par l'engagement et la coopération des différents acteurs, clusters, entreprises, technopoles, universités, à produire des niveaux de performance tout à fait intéressants de manière comparative. Donc, en quelque sorte, si vous me le permettez, donc là, c'est la phase observation, analyse, etc. Mais pour reprendre le propos de Gabriel Gabicani, pour les entreprises, pour les boîtes, pour les réseaux d'entreprises, quelle va être la plus-value? C'est-à-dire, qu'est-ce que cette étude, ces observations, cette analyse vont apporter donc aux entreprises si on veut qu'elles soient plus performantes, plus coopératives, etc. Alors, l'apport est indirect dans le sens où
L'idée pour nous est surtout de porter un outil de connaissance à destination des décideurs publics pour les inciter déjà à mieux articuler politique nationale, politique régionale et écosystème dans les territoires, mieux comprendre du coup comment ça s'organise et donc du coup faire proposer des offres plus adaptées. Je crois que c'était un peu la préoccupation de Gabriel hein, quand il l'a évoqué. Deuxièmement, pour les entreprises qui vont être du coup associées dans les monographies, dans les ateliers, à donner leur avis hein, sur la manière dont fonctionne l'écosystème à leurs yeux, comment dire, mieux comprendre et force de proposition sur la manière dont vont s'organiser les différentes fonctions, comment dire, d'animation des filières, de connexion avec l'enseignement supérieur, d'accompagnement d'entreprises, d'incubation, et puis une troisième fonction autour du marketing territorial et des équipements. Donc, comment dire, les entreprises en tant que telles, je pense que l'étude sera intéressante parce que ça va leur permettre déjà de comprendre comment est organisé leur territoire, peut-être relativement par rapport à d'autres. Et puis, comment dire, bah, l'idée qu'on porte tous, c'est d'améliorer la performance. Donc, du coup, comment dire, que chacun, par ce benchmark, puisse voir comment il peut, si finalement il estime qu'une fonction est sous-investi ou pas optimal, faire évoluer le fonctionnement. Parce que, encore une fois, l'objectif est que les acteurs dans les territoires puissent mieux fonctionner, de façon à ce que les projets innovants portés par les entreprises et avec les entreprises puissent mieux aboutir et arriver dans de bonnes conditions vers le financement qui est proposé par les acteurs. D'accord. Alors, est-ce que précisément les 148 territoires d'industrie pourront être des relais pour opérationnaliser les résultats de vos observations ? Ça, c'est comment dire, nous, on produit, l'idée est de produire un observatoire. Donc, en tant que tel, l'opérationnalité, c'est, comment dire, n'est pas l'objectif de cet observatoire. L'idée est de créer de la connaissance de la manière dont les territoires s'organisent. Les territoires d'industrie, mais tous les territoires, on n'a pas l'idée de faire un observatoire national. On va commencer donc, en s'appuyant sur les données qui vont être données, fournies par les différents partenaires. Donc, je rappelle... France Urbaine, Rétis, France Cluster, l'AFPC et le réseau Curie. Et donc, à partir de cette connaissance, comment dire, nous, encore une fois, l'idée n'est pas de... On produit un observatoire. Donc, je ne sais pas comment... j'ai tendance à penser pour l'entreprise, c'est intéressant de voir quel est le niveau de performance et, comment dire, l'organisation de son territoire relativement à d'autres, mais en tant que tel. Après, en termes concrètement et opérationnel, donc là, le cadre méthodologique a été arrêté, le travail a commencé, l'idée est de sortir l'observatoire à l'horizon été 2021. Je mets tous les guillemets parce que on a tous pris du retard parfois dans nos projets du fait des confinements, donc je pense que la prudence s'impose. C'est une saison 1, on est parti un peu en mode buggy avec l'idée de sortir un prototype et de susciter l'intérêt pour ce niveau d'analyse de l'innovation, comment s'organise l'innovation au niveau infrarégional. Et en termes d'implication, donc France Cluster participe au comité technique et aux ateliers. Et par rapport aux participants, si vous êtes acteur dans un des 15 territoires qui vont être choisis, pour illustrer avec des monographies le fonctionnement qualitatif hein, des relations entre les différents acteurs, vous serez peut-être du coup sollicité par France Cluster pour participer à des ateliers visant à produire de la réflexion collective et de la connaissance. Super, très intéressant. Alors je suis désolé, je vais être obligé parce que Nicolas Portier, qui a aussi des annonces à nous faire, qui nous font un peu trembler d'ailleurs, parce qu'il a l'intention, alors Nicolas Portier, d'abord ça me fait plaisir de reprendre contact avec toi, et puis deuxièmement, voilà, l'Association des intercommunalités de France. Et il est question là aujourd'hui de la société hyper-industrielle. Alors, à quelle sauce nous allons être mangés? Quel rôle des réseaux d'entreprises, des clusters, des intercommunalités? Est-ce que la France est bien placée? Est-ce que la France a des atouts là, dans cette nouvelle configuration de l'activité industrielle? La réponse vous appartient. On est suspendu à vos réponses. Bonjour Paul et bonjour à tous les participants. Donc, première chose, c'était, je ne sais pas si on est comme Ludovic et moi dans l'annonce de même nature que les précédents intervenants. En revanche, j'étais un peu vous faire part d'une mutation, je pense, qui s'opère entre nos associations de collectivités et la volonté de prendre à bras-le-corps les questions de développement économique, de soutien
aux entreprises dans leur diversité et à des écosystèmes bien organisés. C'est peut-être un peu représentatif d'un climat des affaires en quelque sorte qui change aujourd'hui et heureusement dans notre pays. Alors d'abord, nous avons un partenariat en tant qu'association nationale des intercommunalités de France. Alors, on partage un certain nombre d'adhérents en commun avec nos amis de France Urbaine, mais on a aussi beaucoup d'agglomérations de taille intermédiaire dans notre réseau, des communautés de communes. Donc, nous avons une sorte d'impératif de dialogue avec l'ensemble des territoires. Mais quand on parle d'industrie, on s'aperçoit qu'il y en a un peu partout. Il y en a beaucoup dans la ruralité, dans des petites villes, dans des villes moyennes. Et j'y reviendrai. Et tous ces territoires s'organisent à leur manière avec leurs ressources propres et peu ou prou sont en train d'essayer de structurer leur mode de soutien, de les diversifier au tissu d'entreprise. Notre accord cadre avec, signé en début d'année avec France Cluster, par notre ancien président, nous venons de changer de gouvernance au sein de notre association, vise justement à continuer ce rapprochement, mais heureusement il est largement engagé dans les territoires, entre les réseaux d'entreprises, notamment les clusters du réseau France Cluster, les intercommunalités, quelle que soit leur taille. Nous avons la conviction, et nous le voyons à travers justement le programme Territoires Industrie, que les territoires qui performent, comme on dit, qui résistent aussi aux mutations, et nous allons connaître dans l'année qui vient évidemment quelques séismes, en tout cas des enjeux de repositionnement et de rebond considérables. Il va falloir voir les belles histoires parce qu'il va y en avoir des moins belles. Donc nous voyons bien que les territoires qui résistent mieux, et ça nous avons des travaux universitaires qui le montrent, c'est quand même des territoires qui arrivent à avoir une bonne organisation entre les acteurs publics et les acteurs privés, entre les acteurs privés eux-mêmes, avec en effet des logiques coopératives que nous connaissons bien dans l'intercommunalité parce que nous sommes fondés là-dessus. Donc j'ai toujours dit à mes amis de France Cluster et à Xavier qu'on est un petit peu du même code génétique. Les réseaux et les clusters d'entreprises sont un peu le pendant dans le monde des collectivités de ce qu'on sont les communautés de communes ou d'agglomérations. On peut parler aussi de communautés d'entreprises. Alors nous avons voulu rapprocher, et nous promouvons ce rapprochement qui est déjà largement engagé entre les intercommunalités de France et les clusters. Nous souhaitons en effet aussi que les clusters montent en puissance, que des entreprises nouvelles s'affilient à ces réseaux structurés, et nous avons la conviction que les clusters participent de cet ancrage territorial de nos tissus productifs. Alors, ancrage territorial, il faut mettre des choses précises derrière les grands mots. L'ancrage territorial, c'est un investissement dans des compétences, c'est bien sûr, c'est trouver des solutions immobilières et foncières dans un contexte où le foncier, notamment dans les métropoles, dans les grandes agglomérations, est très cher. C'est d'arriver à avoir des meilleures connexions avec les ressources de formation, les ressources universitaires, les ressources de recherche qui sont en France essentiellement dans le giron public. Donc cet ancrage, c'est justement tisser des relations, faire en sorte qu'on ait une sorte de bien-être de l'entreprise dans son environnement. Et ça, les élus ne peuvent pas tout faire, mais ils peuvent y contribuer en animant, en aidant des communautés entrepreneuriales à bien s'organiser. Alors, le programme Territoires d'industrie s'inscrit un peu, nous l'avions voulu au printemps 2018, nous l'avions préfiguré avec les régions, avec un certain nombre d'experts, il y a 500 intercommunalités maintenant mobilisées, nous sommes dans la phase active du programme. Après avoir défini des fiches actions, nous sommes en train d'analyser toutes les fiches actions, beaucoup sont conduites ou pensées avec des réseaux d'entreprises, qu'ils soient affiliés ou non à France Cluster, mais en tout cas qui sont dans l'esprit des clusters, et nous pensons en effet qu'il faut continuer à incuber des projets. Les territoires d'industrie, c'est finalement des incubateurs de projets. Les financements dont on a parlé tout à l'heure ne viendront que si, en effet, n'arriveront dans les territoires que s'il y a des projets éligibles, des projets portés par des acteurs, je dirais un peu concrets, à visage humain, et c'est pour ça que Territoires d'industrie repose sur une démarche qu'on a trouvée intéressante, qu'on a promue bien sûr, c'est les binômes élus industriels. Alors nous sommes en train de faire une petite analyse d'un ensemble de binômes, nous allons la prolonger, pour voir en effet ce qui fonctionne bien dans cette animation des territoires d'industrie avec cette espèce de double regard des industriels et des élus. C'est une démarche aussi qui est bottom-up, ce ne sont pas uniquement des instruments de financement un peu descendants, ou des programmes et des annonces, c'est aussi d'essayer de partir des projets concrets très opérationnels, avec une animation régionale et des moyens de mobiliser à travers l'État, bien sûr, les régions, mais aussi un certain nombre d'opérateurs, de financeurs. On retrouve l'ADEME, on retrouve Action Logement, on retrouve bien sûr la BPI, la Banque des Territoires au premier rang. Et donc, on essaye d'aligner les planètes dans un contexte particulier qui est celui, évidemment, de la crise que l'on connaît et qui met un peu dans le noir un certain nombre de familles industrielles avec des enjeux de repositionnement rapide. Ce
repositionnement rapide, on voit bien que dans certains secteurs, il n'y a plus de carnet de commandes. L'horizon se bouche, et là, les territoires qui résisteront à la crise, ou en tout cas qui pourront être les plus résilients et rebondir dans les meilleurs délais, c'est ceux justement qui ont une sorte d'agilité. Et là, je crois que les clusters doivent rentrer en effet dans cette séquence avec toutes leurs forces pour retrouver des jeux intelligents, des jeux coopératifs, des repositionnements. En ce moment, se mettent en place des plateformes, par exemple, de prêt de main-d'œuvre entre entreprises, entre certaines entreprises qui n'ont plus de carnet de commandes et d'autres qui sont toujours en difficulté de recrutement. C'est tout ça que nous voulons regarder. Alors déjà, en termes d'annonce, ce que je peux dire, c'est que dans quelques jours sortira une nouvelle note d'analyse des fiches actions des projets qui sont portés dans les territoires d'industrie, une note qui est faite avec France Cluster sur justement la contribution des réseaux d'entreprises et des clusters à l'animation de ces territoires d'industrie. Et pour finir, parce que je sais qu'on a peu de temps, j'aimerais dire que les territoires d'industrie, c'est aussi l'occasion de repenser ce que c'est que l'industrie dans notre pays. Quand on prend en effet les statistiques purement INSEE de l'emploi manufacturier, grosso modo, le bilan est un peu parfois déprimant sur les 20 dernières années. On a reculé, perdu des parts de marché, vu des contractions, même si on a de beaux restes hein, quand même. Donc nous sommes plutôt dans une association qui essaye d'avoir un esprit positif, mais c'est vrai qu'on est parti du constat, quand on avait fait nos propositions pour un nouveau pacte productif, que les territoires avaient souffert depuis les années 2000 en termes de fermeture d'entreprises de sous-traitants, on a eu des logiques de relocalisation des achats un peu loin de nos frontières, et on a bien vu se rétrécir la base productive française, et il est bien que nous soyons tous dans une dynamique de rebond. Mais je voudrais mettre un petit peu, comment je dirais, d'optimisme dans notre réunion, parce que je pense qu'il faut qu'on élargisse notre regard. Et ce que vient de dire Ludovic sur les écosystèmes d'innovation est très intéressant, parce que l'industrie, et ça c'est un peu Pierre Veltz qui nous l'a montré, elle est aujourd'hui totalement imbriquée avec les activités de service. Les activités de service à forte valeur ajoutée, de la recherche-développement. Nos tissus productifs se sont totalement flexibilisés, fragmentés en une multitude. C'est pour ça qu'il faut parler de chaînes de valeur, plus que de branches d'ailleurs, parce que dans tous les produits, mais dans les biens également, vous avez à la fois de l'industrie, du service, et on a finalement une sorte de complexe d'écosystème, et vous le savez dans les clusters, et c'est un appel un peu que je vous fais, c'est justement de mettre en évidence cette logique coopérative entre les services et les activités de fabrication proprement dite. On le voit dans l'aéronautique, on voit bien que ça va faire très mal dans le Grand Toulouse, ce n'est pas uniquement les usines d'Airbus, ce sera toutes les ingénieries qui sont dans des sociétés connexes et qui travaillent pour la chaîne de valeur de l'aéronautique. Alors on va essayer de faire une petite étude, et si Paul, tu peux une petite étude qui est disponible sur ce qu'on appelle l'emploi hyper-industriel, c'est un peu ça, je conclue sur ce point parce que le temps est compté. Mais je vais le commenter si tu arrives à les mettre. Nous avons essayé. J'appelle au secours Véronique. Alors, je vais essayer, moi. Je vais essayer. Ah ben, ça tombe très bien. Je les ai sous les yeux. En tout cas, pendant que tu le mets, ce que l'on voilà. était. Est-ce que tu la vois? Oui. C'est la bonne carte peut-être l'autre. Si on peut mettre l'autre d'abord. Alors, je vais essayer. Je vais faire arrêter. Ouais. Et je vais faire écran partagé. Pierre Veltz a développé cette idée, en effet, qu'il faut aller raisonner maintenant en hyper-industrie, peu importe les termes. Hein. Parfois, on s'écharpe pendant des heures sur le terme. En tout cas, l'hyper-industrie, pour Pierre Veltz, voilà, c'est celle-là. Voilà, c'est montré. Et là, on voit revenir, alors que la carte de l'emploi manufacturier en France est maintenant, grosso modo, fortement située dans des bassins, dans des agglomérations moyennes, dans des territoires ruraux de nombreuses régions françaises. En revanche, quand on regarde les activités de service totalement connectées avec l'industrie, on s'aperçoit d'abord, quand on combine emploi manufacturier et emploi dit hyper-industriel, nous apercevons en effet que la situation française, le panorama français est beaucoup moins critique que ce qu'on a pu dire dans certaines études. Nous, je dirais, en revalorisons une autre façon de présenter, que ce soit en emploi ou d'ailleurs en valeur ajoutée, on s'aperçoit que la valeur ajoutée et l'emploi est passée non plus peut-être dans les usines, mais dans ce qui environne les usines. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a de l'emploi hyper-industriel dans nos grandes métropoles, dans des territoires qui semblaient s'être désindustrialisés, mais on va retrouver les activités comme Safran, les têtes de réseau, les centres de recherche de l'automobile ou de l'aéronautique. Dans l'agglomération parisienne, on va retrouver dans les métropoles nantaises, bordelaises, Aix-Marseille, etc. En termes d'emploi hyper-industriel, on retrouve quand même des parts dans l'emploi assez... Nicolas, oui, pardon, Paul. Oui. On me fait savoir qu'on va nous couper le micro à 10h20. Oui, mais j'ai fini là. Tu peux montrer l'autre carte. Je finis sur ce point. Mais oui, mais alors, je suis désolé, hein,
Mais je t'en prie. Même pas très élégant de dire. Non, non, mais il reste 2 minutes alors, pour moi, si tu veux bien. Alors, c'est pas moi qui suis maître du micro. Non, mais c'est pas. C'est parfait. Et là, ce que je voulais montrer, donc je vous invite à prendre connaissance de cette note, oui, c'est qu'on s'aperçoit, alors bien sûr, c'est cette dynamique. Là, je suis bien dans les emplois péri-industriels, en quelque sorte, mais qui sont souvent, via les clusters, connectés avec les activités de fabrication. Et on le voit dans les startups aujourd'hui qui travaillent aussi avec des activités manufacturières dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine même de l'aéronautique, de l'automobile. On voit bien, si vous voulez, qu'il faut repenser cette connexion entre les services qualifiés et les activités manufacturières. Alors là, tout le panorama, l'ensemble du panorama n'est pas forcément positif partout, mais on s'aperçoit que sur la période post-crise, alors évidemment, on est un peu tributaire des données INSEE qui ne sont pas toujours très récentes, mais on s'aperçoit qu'une grande partie du territoire national, c'est ce que vous voyez en bleu, avec des teintes plus ou moins foncées selon l'intensité des progrès, mais nous avons des progressions de l'emploi hyper-industriel dans de très nombreux territoires de France. Voilà, voilà un petit peu, c'était pour conclure. Ces études-là nous permettent de repenser un petit peu les dynamiques de nos systèmes productifs et des écosystèmes dont parlait Ludovic tout à l'heure. C'est une façon quand même de relire un peu et de remettre à jour ce qui est aujourd'hui l'économie industrielle française en intégrant cette dimension service, cette dimension recherche, cette dimension innovation dont parlait tout à l'heure Ludovic. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en termes d'annonces ou de suggestions. Merci Paul. Alors, Ludovic, il nous reste peut-être quelques secondes, je ne suis pas maître hein, du micro. Est-ce qu'il y a un commentaire complémentaire, Ludovic Grousset ? Sur ce que vient de présenter Nicolas, non, voilà, moi, voilà. Mon commentaire, c'est que c'est très intéressant que l'ensemble des acteurs territoriaux, économiques et professionnels de l'accompagnement travaillent ensemble pour montrer, comment dire, à la fois améliorer, mais aussi porter la connaissance, parce qu'il ne peut pas y avoir de décision publique efficace en méconnaissant la manière dont les acteurs travaillent concrètement sur le terrain. Et donc, toutes ces initiatives qui ont été présentées depuis ce matin, déjà, comme vous dites, elles redonnent la pêche parce qu'elles montrent qu'il y a une vraie volonté d'avancer ensemble et ça ne peut être que positif. Moi, c'est ce que je retiens et c'est mon commentaire là-dessus.